Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du magnifique oracle Odusea qui est un oracle auto-publié par Nix Tarot et le duc Vanupier euh, qui était en campagne sur Ulule et euh, la campagne euh, est arrivé au, au bout, il a été financé, donc il a pu voir le jour, voilà. Donc je suis trop contente, euh, le duc Vanupier me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous et je suis vraiment ravie euh, parce que je le trouve magnifique et je n'avais pas euh, su participer à la campagne Ulule, j'avais juste pas de sous à ce moment-là, ça arrive, hein. euh, et donc quand elle me l'a proposé, ben, j'étais trop contente. Euh, franchement, il est magnifique. Hein. Euh, le Duc Vanupier et Nick Tarot qui avait déjà fait euh, l'Oracle de la Dame de l'Ombre, que j'aime beaucoup, beaucoup, que je vous ai déjà présenté. Vous voyez les petites illustrations ici. Bon, ici c'est la version euh, auto-publiée. Il y a la version mass market qui existe depuis aussi. On va le regarder ensemble. Du coup, bah, déjà la boîte est très très belle. Hein. Euh, j'aime beaucoup cette illustration et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Avec Oduséa, nous avons à cœur de vous restituer une partie des histoires mythologiques et de ce langage universel. Nous avons aussi et surtout à cœur de vous les traduire à travers notre prisme, moderne, inclusif, révolté, teinté d'intensité et d'une soif terrible de connaissances. 44 cartes pour cheminer aux côtés de vos divinités et créatures mythologiques. Nick Tarot, ceinture noire en introspection, passionné de mythologie, de tarot et de musique, a rédigé le livret d'interprétation de la part historique des cartes à leur signification en passant par les modèles de tirage. Le duc Vanupier, sauvageonne sur les bords, zinzin des petits points, a réalisé les illustrations à la main en associant plusieurs techniques ainsi que les des montages infographiques. On va l'ouvrir ensemble. Je suis désolée, c'était gerbilles qui était en train de courir comme des folles dans la roue et ça faisait un potard d'enfer. Donc j'ai dû décrocher la roue le temps de la vidéo, les pauvres. Voilà. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci. On retrouve le livret et les cartes et le fond de la boîte est comme ceci. Voilà. On va d'abord regarder euh, le livret qui est conséquent. Hein. Avant que j'oublie, il est toujours dispo au prix de 48 euros plus frais de port. Euh, je vous mettrai le lien vers le site euh, de Le Duc Vanupier euh, dans, où vous pouvez vous le commander dans la barre de description. Avant que j'oublie de vous le dire. Voilà, donc ça c'est le livret. Un gros livret hein, euh, qui fait quand même 185 pages. Donc on a le sommaire, il y a une introduction et puis on passe directement à la signification des cartes et il y a beaucoup de choses pour chaque carte. Et ensuite à la fin on a les modèles de tirage bonus et une playlist. Euh, comme pour le premier, je pense, il doit y avoir une chanson euh, associée à chaque carte. Alors, odysée. Odysée, nom féminin, qui est un long voyage mouvementé, aventureux comme celui d'Ulysse, longue période, pleine de péripéties, d'événements extraordinaires. Cette définition de l'Odyssée ne pourrait-elle pas s'appliquer à un voyage introspectif et à la quête perpétuelle de connaissances L'humanité cherche depuis toujours la compréhension de soi, de l'autre, du monde et de sa mystérieuse origine. Ainsi naquirent les mythologies mystérieuses. Euh non, ainsi naquirent les mythologies et les cosmogonies des litres d'encre où se mêle naissance de notre univers, de nos civilisations, de nos dieux et de nos croyances. C'est au travers de ces récits fondateurs, constellés de concepts, de symboles et de paradoxes de nos ancêtres, ont appréhendé le monde. Ils ont écouté ces histoires, ils ont prié des divinités, ils ont appris et acquis une sagesse qui ne cesse de couler dans les veines de notre culture d'aujourd'hui. Les mythologies sont l'alphabet qui nous permet de lire et de parler le langage du monde. Ces récits peuplés de dieux, de déesses et de créatures fantastiques sont des clés de compréhension de notre environnement et de notre paysage intérieur. Avec Oduséa, nous avions à cœur de vous restituer une partie de ces histoires et de, ces langues et de ce langage universel nous avions aussi et surtout envie de les traduire à travers notre prisme moderne inclusif révolté teinté d'intensité et d'une soif terrible de connaissance nous vous espérons alignés sur notre câblage vivants vibrants désireux de comprendre d'expérimenter d'avancer de chercher du sens au-delà de l'absurde et de remettre du juste là où il y a déséquilibre ce long voyage mouvementé en notre compagnie sera avant tout intérieur. Nous souhaitons de tout cœur qu'il vous aide à explorer de nouveaux territoires, celui de vos certitudes, de vos croyances et de vos envies, et qu'à terme, vous soyez prêt à fouler le monde avec un regard neuf et acéré, le cœur rempli de chacun des messages de cette divinité et de ses créatures comme autant de boussoles. Voilà. Ensuite, on a la signification des cartes, on a euh, l'illustration. De la carte ici en noir et blanc, son nom. Puis on a euh, une explication ben, sur euh, la divinité ou la, le dieu ou la créature fantastique. Voilà. Ensuite, le message de la carte. Et après, à la fin, on a à chaque fois des mots-clés et euh, des questions euh, de tirage de journaling avec des questions à se poser euh, qui peuvent aider à faire du journaling. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. J'adore le côté. Euh, ben déjà qui explique euh, ben, euh, qui fa qui la carte le personnage de la carte ça je trouve ça vraiment très chouette alors on va aller au bout ici on a modèle de tirage bonus voilà avec euh, si tu souhaites connecter avec une divinité ou une créature mythologique présente dans le jeu ou non pour cheminer spirituellement si tu as envie de mieux comprendre comment elles peuvent apporter leur sagesse leurs conseils leur force voici un tirage pour t'y aider Ensuite, on a la playlist. Et euh, bah, ici, elle est reprise, la playlist, avec pour chaque carte une chanson. Ça, c'est chouette si on veut se mettre dans l'ambiance, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est pour le book qui est hyper riche. On tirera évidemment une petite carte à la fin, comme ça, euh, vous aurez une idée euh, bah, de ce qu'il contient. Alors, je prends ma petite carte de tarot pour euh, vous montrer la taille. Bah, c'est la hauteur carte de tarot classique et plus large, voilà. Elles sont pas trop grandes, elles ont un chouette format, je trouve. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont noires métallisées, c'est très très joli. Et puis, on a les illustrations avec à chaque fois, dans un médaillon ici, l'illustration euh, en, oui, en noir et blanc, on va dire, avec à chaque fois des petites touches de rouge, c'est très joli. Et ici, on retrouve euh, à chaque fois trois mots clés. Donc ici, on a l'Amazone, l'Anche, un coup, elle est très très belle celle-ci, Arachné, bon moi j'ai eu un coup de cœur, hein. j'adore ce style d'illustration, euh, Arès, bon je peux comprendre qu'il y en a qui, ce sera peut-être pas trop leur tasse de thé, hein. c'est assez, euh, assez sombre quand même hein, comme style Baba Yaga. Moi, vous savez que j'adore les jeux de style sombre, la Banshee. Et je trouve que les touches de rouge, ça, ça, met, euh, ça met en lumière en fait euh, ce qu'il faut voir dans la carte. Quoi. Le centaure. Le cerbère. Le chien des enfers. Et magnifique. Cernunos. Circé. dieu du temps dagda il y en a que je ne connais pas du tout hein. le démon la en poussa je connais pas elle est très très jolie il ira peut-être même bien en combo euh, avec euh, celui de la dame de l'ombre ici on a freya elle est magnifique ah ben, d'ailleurs elle est euh, sur le bouc. La harpie. Et ici on met bien en lumière, hein, c'est pas trop je focus là-dessus. Hermaphrodite. Magnifique. Mi-femme, mi-homme, avec le symbole homme-femme. Hermès avec son caducé. Ishtar. Janus. Magnifique. Oh, le corrigan, il est beau. Enfin, oui, il est effrayant quand même. Il n'a pas l'air sympa, mais il est trop beau sur son champignon. Oh, j'adore sa, sa petite bouille. Trop mignon. Le kraken. Lancelot. Ah, oh, il est tellement beau. Et en plus, je sens que je vais apprendre plein de choses avec le guidebook, j'adore. Lilith. Loki. J'ai un livre sur Loki. Oh, un Datura. Magnifique. Lucifer. Mars, le dieu Mars. Ou la planète Mars. La méduse. Oh, elle est jolie. Avec un cœur ici, elle est vraiment jolie. Mais l'usine, elle est très jolie aussi. Ah, j'adore. Ah, oh, il est beau, Mimir. Oh, Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Morrigan, elle est magnifique aussi. Euh, Norness, si je dis pas de bêtises. Euh, Nyx, qui est sur la boîte. Orphée. Pacifae, celle-ci aussi est magnifique. Perséphone, magnifique. Avec des jonquilles ou des narcisses. Je ne sais jamais la différence entre les deux. Le phénix, qui est magnifique aussi. Le satyre. Et des grappes de raisin. La sirène, elle est très belle aussi. Ah, oh, celle-ci, j'adore. Tir ou fire, tire. Oh, elle est belle. Valkyrie, magnifique aussi. Et euh, deux, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. Oui, je crois. Voilà, euh, les illustrations sont magnifiques, franchement moi j'adore. Euh, C'est vrai que je ne vous ai pas montré, il arrive avec un marque-page aussi. Voilà, avec les deux côtés qui est très très joli. Alors, on va les mélanger. Oh bah, bon bah, non, il y en a un peu beaucoup là. On va les mélanger. Et on va en tirer une et on ira lire bah, tout ce qu'il y a euh, dans le livret se mélange très très bien. moi bon, elles ont un fini glossy donc elle s'étale comme je me doutais super bien et la qualité est top. Voilà. Ah, la Morgan. Je vais juste les regrouper et on va aller lire ça. Par contre, elles sont pas numérotées donc soit vous vous référez au sommaire, euh, ce sera peut-être le plus simple, ou alors vous allez voir, euh, elles sont classées par alphabétique Voilà. Bon, je crois que c'est plus simple d'aller dans le sommaire. 134 voilà. Alors, Morrigan, la Morrigan est une déesse de la mythologie celtique irlandaise en lien avec la vengeance, la magie, la guerre, le cycle de la vie et de la mort. Elle veille sur les rivières, l'eau douce, les lacs et patronne et patronne les prêtresses et les sorcières. Son mythe est corrélé avec le festival de Samhain. De par son rôle et sa position dans le lore irlandais, la Morrigan inspire la terreur, surtout aux guerriers, car à l'instar des valkyries chez les nordiques, elle possède le don de prophétie, prédit la mort et influe sur l'issue des batailles. Elle protège également son peuple des armées d'invasion en soufflant une couche de brouillard pour diminuer la visibilité des ennemis. Elle a de nombreux surnoms, grande reine, reine fantôme, morigu, déesse celtique de la mort ou encore reine des trois déesses. Cette dernière appellation fait référence euh, au fait que la morigane apparaît à la fois comme une déesse unique, mais aussi comme appartenant à un trio comprenant Bapt, Matcha et Neman. Bapt peut prendre la forme d'une cornelle. D'une corneille ou d'un corbeau et a pour rôle de provoquer la peur et la confusion parmi les soldats. Elle annonce le carnage ou les morts à venir par des cris plaintifs, rappelant forcément les cris de la Banshee. Matcha, elle, est en lien avec la guerre, la souveraineté et les chevaux. Quant à Nemen, elle est associée à la frénésie guerrière. Tous ces éléments sont des attributs reliés à la Morigane. Physiquement, elle peut être représentée sous les traits d'une très belle jeune femme aux longs, aux longs cheveux noirs ou comme une vieille dame. Son don pour la métamorphose peut même lui faire prendre la forme d'une corneille, d'un taureau, d'un loup ou d'une anguille. Vindicatif, la Morigane n'a pas peur de tuer si elle se sent offensée, et ce, sans avoir besoin d'armes. L'histoire du jeune héros Q. Tulen relate d'ailleurs comment il rejeta l'aide et l'amour de la déesse, ne reconnaissant pas le pouvoir de souveraineté féminine de la Grande Reine que la Grande Reine lui offrait. La Morrigan se vengea en le rendant impuissant à un moment crucial de la bataille, et lorsqu'elle se posa sous forme de corbeau sur son épaule, tout le monde sut que le héros était mort. Alors, le message de la carte. La détermination et la, et la droiture de la Morrigan quant à son positionnement et ses objectifs est au cœur du message qui va suivre. Sa propension à se transformer pour obtenir ce qu'elle désire peut être prise pour de la sournoiserie, mais ne serait-ce pas simplement la force de mettre à contribution tous ses talents La Morrigan te souffle de ne pas te lancer dans des batailles à moitié. Comme ça, pour la forme, mais de mettre tout ce qui est en ton pouvoir pour vaincre ce qui doit l'être. Et peu importe si affirmer ta souveraineté doit laisser des cadavres sur le champ de bataille. Que les ennemis te craignent, qu'ils tremblent ou t'admirent, prophétise tes propres réussites, assume ta soif de sang, incarne la frénésie guerrière. Et surtout, prends plaisir à laisser cette part de toi s'exprimer. Flirte avec l'art de la métamorphose pour embrouiller ceux qui se mettent en travers de ton chemin, qui ne te respectent pas ou qui ne te reconnaissent pas à ta juste valeur. Sois le serpent, le loup, le corbeau, les mille visages aussi insaisissables qu'un masque. Et surtout, protège ceux qui partagent tes valeurs, ton territoire et ton sang. La fausse humilité ou le manque d'assurance ne te mèneront qu'à ta perte, lissant tes aspérités pour te rendre prévisible, incolore et interchangeable. La fierté, le courage face au conflit et à la confrontation, même silencieux, sont définitivement la clé pour toi. Rappelle-toi que la morigane n'a pas besoin d'armes ni de faire couler le sang de ses propres mains, sa seule présence, sa magie et sa force d'esprit suffisent à électriser ou terrifier celui qui la croise. Mots-clés, droiture, bataille et métamorphose. Donc, ça, ce sont les trois mots-clés qu'on retrouve sur la carte. Et le tirage journaling, les questions qu'on peut se poser. Quelle est ma prochaine bataille à mener Quelle qualité la Morrigan peut me transmettre pour aborder cette bataille sereinement mais fermement Quelle forme puis-je prendre pour faire face à l'ennemi, quel qu'il soit Comment incarner la droiture, la force et ne pas céder du terrain face à l'autre Voilà, un bien beau message, ma foi euh, je vous remonte la carte hein, comme elle est jolie. Voilà. Avec ben, les corneilles qu'elle peut incarner. Un message de guerrier, hein, de guerrière, euh, de ne pas lâcher, euh, de rien lâcher, de ne pas lâcher, de tout donner, de ne pas baisser les bras. Euh, quitte à s'affirmer. Euh, voilà. Un très très beau message. Voilà, mais ben, je suis trop trop contente euh, ben, d'avoir pu vous présenter du coup le magnifique oracle Oduséa, euh, que je trouve magnifique. Déjà, les illustrations, euh, bon, je les avais déjà vues dans la campagne, hein. Ulule, elles sont sublimes. Bien que ce n'était pas Ulule, c'était euh, sur un autre site, c'est vrai, c'était n'était pas Ulule. Euh, et euh, bah, le, rien que le livre est d'une richesse incroyable, euh, il va m'aider à apprendre plein de, de choses sur, euh, bah, sur les, les dieux, les déesses et les créatures magiques. Il y en a certaines que je connais, d'autres non. Euh, et les questions de journaling, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez magnifique, si vous l'avez, enfin, euh, si vous avez soutenu la campagne, euh, s'il est sur votre wishlist. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous pensez du message aussi, pourquoi pas. Et je remercie encore mille fois euh, Nick Saro et le duc Vanupier qui me l'ont envoyé. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.